Bonsoir les amis, c'est Christian et bienvenue Salarié Affranchi. Ce que j'ai dit dans mes vidéos n'engage que moi et ce sont mes opinions. Ceci ne représente en aucun cas des conseils d'investissement ou des conseils financiers. Ma stratégie pour investir dans les crypto-monnaies est la suivante, surtout pour les novices. La première chose qu'il faut d'abord savoir, c'est que il ne faut pas compter sur des intermédiaires. Quand je parle des intermédiaires, je pense aux gens qui viennent vous rencontrer et vous disent « Donnez-moi de l'argent, je vais investir pour vous. » Ne le faites jamais. Que ce soit n'importe quelle structure qui vient vous demander de l'argent pour investir à votre place, il faut les éviter à tout prix. Dans les crypto-monnaies, vous n'avez pas besoin d'intermédiaires pour investir. C'est d'abord la première règle. Évitez les intermédiaires. Vous allez vous faire arnaquer. C'est d'abord la première chose à comprendre. La deuxième chose, il faut comprendre sur ce qu'on investit. Ça veut dire que si vous voulez investir dans un projet, il faut faire la recherche sur ce projet, comprendre ce que ce projet offre, comprendre si ce projet est unique, si ce projet résout un problème majeur et qu'il n'y a pas de solution existante pour résoudre ce problème. L'originalité du projet est très importante. Ça, c'est la deuxième stratégie. Il faut comprendre le projet et l'équipe qui est autour de ce projet. Donc, ça demande un peu de recherche. Donc, quand vous voulez investir, il ne faut pas être paresseux. Voilà la deuxième chose à conserver. La troisième chose, c'est qu'il faut comprendre son degré de risque. Okay? Son degré de risque, c'est quoi? Ça veut dire, en investissement, il y a trois types d'investisseurs. Il y a certaines personnes qui sont risk averse, certaines personnes qui n'aiment pas le risque, okay? Qui prennent juste un peu de risque. Ils investissent par rapport à ces moyens-là. Il y a certains qui sont un peu modérés. Ça veut dire qu'ils prennent un peu plus de risques que celui qui n'aime pas le risque. Il y a maintenant certains qui sont des risk takers. Ça veut dire qu'ils sont prêts à investir n'importe combien, n'importe quoi dans quelque chose pour pouvoir avoir plus de grands profits. Plus vous investissez beaucoup, plus vous prenez des risques, plus le retour est plus élevé, mais plus le risque de perdre aussi est élevé. Donc, il faut d'abord comprendre votre psychologie en tant qu'investisseur. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est risk averse? Quelqu'un qui est risk moderate ou quelqu'un qui est risk taker. Donc, il faut comprendre ça parce que ça va déterminer votre persévérance par rapport au projet. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes un risk adverse et vous investissez dans un projet qui est très risqué, quand la valeur du projet va commencer à baisser, vous allez beaucoup paniquer. Vous allez vendre à perte. Alors que quelqu'un qui est risk taker, il s'en fout. Il s'attache à sa stratégie jusqu'à la fin, quoi. Même si le projet meurt, il s'en fout totalement parce que c'est un risk taker. Donc, cette psychologie vous permet d'être persévérant dans votre investissement. Donc, il faut d'abord savoir où est-ce que vous résidez dans tout ça. La quatrième stratégie, il faut éviter de s'endetter. Surtout dans les crypto-monnaies. Parce qu'au niveau des crypto-monnaies, le marché est très volatile. Le marché des crypto-monnaies, la volatilité peut aller de 100% à 50%, 60% de haut en bas. Ça vacille quoi. Donc, si vous vous endettez, par exemple, vous allez paniquer. Par exemple, si vous empruntez de l'argent et que ça commence à baisser, tout ce qui va se passer dans votre tête, c'est que oh, il faut que je rembourse telle personne. Et vous allez vendre à perte pour essayer de rembourser l'autre personne. Par contre, quand vous investissez avec vos fonds, vous ne paniquez pas. Parce que vous savez que même si vous perdez cet argent-là, c'est votre argent. Et ça va avec la sixième stratégie. Ça veut dire qu'il faut investir, il ne faut investir que ce que vous pouvez perdre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les marchés vacillent dans la crypto-monnaie, si vous n'avez pas de pression, ça veut dire que vous avez dit que vous n'avez pas de certaines contraintes financières à rencontrer. Vous n'êtes pas obligé de vendre en ce moment-là. Vous devez être patient, être très patient parce que l'expérience a montré que le marché des crypto-monnaies, quand vous investissez dans les bons projets, ça recouvre. Okay? Je vais donner un exemple. Ethereum en 2015 se vendait à 10$. En 2019, c'est descendu à 83$. Et en 2020-2021, c'était à 4000$. Vous voyez comment ça monte, ça vacille. Donc, ça veut dire que si vous êtes dans des bonnes positions, que ça baisse, où ça monte et que vous avez des perspectives à long terme, vous ne pourrez pas vendre votre projet parce que vous avez la conviction à ce projet-là. OK?
La septième stratégie, c'est quoi? Il faut protéger vos crypto-monnaies. Quand vous avez acheté vos crypto-monnaies, si ces crypto-monnaies ne résident pas dans vos clés, par exemple, il y a les clés Ledger, il y a les clés Trésor. Vous savez, ce sont des clés physiques. Ce sont des clés physiques que vous devez détenir à tout prix. Donc, vous devez l'avoir avec vous et vous devez sauvegarder vos crypto-monnaies dans ces clés-là. OK? Si vos crypto-monnaies résident dans les échanges comme Binance, KuCoin, Yobi Pro, tous ces échanges-là, ça ne vous appartient pas. Il y a des situations où, par exemple, ces échanges ont été attaqués et certaines personnes ont perdu leurs crypto-monnaies. Et par aussi, quelqu'un peut s'attaquer à votre ordinateur local, avoir accès à vos informations et aller dans les échanges, retirer cet argent-là, ces crypto-monnaies-là. Donc, il faut avoir ce cold wallet-là. Ça veut dire que ce n'est pas connecté à l'Internet pour pouvoir garder vos crypto-monnaies. C'est très, très important. Il faut avoir ces clés-là pour garder vos crypto-monnaies. OK? Donc, je vais continuer dans ma liste. Et il faut surtout investir dans les fondamentaux. C'est très important d'investir dans les fondamentaux. Les fondamentaux, pourquoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut trouver des crypto-monnaies qui s'attaquent à des problèmes dont l'humanité fait face. OK? Donc, il faut regarder leur originalité et investir sur ces crypto-monnaies-là. Pourquoi? Parce que quand vous investissez sur des projets, sur des blockchains qui essaient de résoudre ces trucs-là, vous leur donnez le temps de se développer 1, 2, 3, 4 ans pour qu'ils puissent se développer parce qu'ils sont en train de résoudre un problème unique. Donc, vous participez en quelque sorte à la création de cet écosystème-là. Et quand cet écosystème-là va naître, vous serez des actionnaires de cet écosystème-là. Il faut investir sur des choses sur des projets qui essaient de résoudre un problème bien précis, un problème unique, un problème difficile, complexe. OK? Par exemple, Ethereum avait les smart contracts, Avalanche avait les smart contracts, Solana avait les smart contracts. Et je vais parler de la huitième stratégie, éviter les shitcoins à tout prix. Les shitcoins, ce sont des projets qui n'ont aucune utilité. On ne sait même pas à quoi ça sert. C'est juste conduit par des réseaux sociaux. On fait des bruits autour de ça, les TikTok, et puis ça monte. Ça ne résout aucun problème. Il y a les Dogecoin, les Shiba, les Baby Doge et tous ces coins-là. Ça va rendre certaines personnes riches, mais la majorité des personnes seront pauvres. OK? Donc, il faut faire très attention. Ces projets n'ont pas d'issue à long terme. Ça pourrait marcher, mais le risque est plus élevé dans ces projets-là. Donc, il faut éviter ces projets à tout prix. OK? Il faut être patient. L'impression que j'ai, c'est que quand les gens viennent au niveau des crypto-monnaies, c'est qu'ils veulent s'enrichir rapidement. 1 an, 2 ans. Oh, je me suis fait de l'argent en 6 mois et tout ça. Oui, certaines personnes réussissent. Je connais, j'ai des amis. Hein. J'ai des gens, j'ai introduit une dame, une indienne, il y a environ 1 an dans les crypto-monnaies. Elle a acheté un bitcoin à l'époque, c'était à 8 000. Le bitcoin allait à 50 000. Elle avait investi, elle avait investi, quoi, 120 000 dollars américains. Elle s'est retrouvée avec 1,6 million. En moins de 3 mois. OK, elle a tout vendu, elle allait s'installer aux États-Unis. Il y a certaines personnes qui gagnent rapidement dans les crypto-monnaies, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il faut être patient. Il faut donner le temps au projet pour se développer. OK? Il faut être extrêmement patient. C'est pour ça que quand il y a des fluctuations sur le marché, ne regardez pas le prix. Il faut avoir la conviction par rapport au projet sur lequel vous investissez, sur l'équipe sur laquelle vous faites confiance. Et s'assurer qu'il y a de la gouvernance autour de cette équipe-là, il y a des bons ingénieurs autour de cette équipe-là, il y a des bons développeurs autour de cette équipe-là, et qu'il y a une communication constante, qu'il y a de la transparence au niveau de ce projet-là. Il ne faut pas qu'on vienne vous dire qu'on vous montre des choses sans vous prouver avec du tangible, avec de l'audit, que ce qu'ils font est vrai. OK? Donc, il faut faire très attention. Ce qu'on dit et ce qu'on fait est différent. C'est pour ça qu'on a besoin de gouvernance, on a besoin d'audit pour vérifier la véracité des informations qui sont communiquées. Si quelqu'un vient vous dire que j'ai des compagnies aériennes, je suis en train de développer des projets un peu partout, j'ai des terrains agricoles, il faut qu'un individu indépendant aille vérifier et communiquer
avec avec la communauté pour certifier que non, c'est vrai. Ce n'est pas l'individu qui le fait qui doit vous le dire, c'est une tierce personne, une personne tierce qui n'a pas d'intérêt dans ce projet-là qui doit le faire. C'est ça qui crée la confiance, ok? La confiance, ce n'est pas ce qu'on dit, c'est ce qui est vérifiable. Faites très attention par rapport à ça. Et le dernier conseil que je vais donner, c'est qu'il faut suivre ce qu'on appelle le narratif. C'est quoi le suivre le narratif? Le narratif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les jours, il faut suivre les informations sur votre projet. Et si vous voulez investir, suivre les narratifs. Il y a 1 an et demi, on parlait de la finance décentralisée, ok? Et après la finance décentralisée, on a parlé des NFT, non-fungible token, ok? Et les gens ont investi sur ça, et il y a des bons projets. Vous investissez plus tôt, parce que quand vous comprenez les narratifs, vous investissez vraiment tôt dans ces projets-là, et votre capacité de croissance est plus élevée, parce que vous ancrez très bas, ok? Et à long terme, vous faites beaucoup d'argent. Vous pouvez faire 10x, 100x, 1000x. Donc, il faut comprendre les narratifs. Donc, il y a la finance décentralisée. Il y a des projets sur la finance décentralisée qui ont commencé à presque rien, qui ont fait les 1000x, comme Enron, ok? Aave, ces projets-là. Après, il y a eu les NFT. Il y a Decentraland qui existait depuis 2000, je crois 2016. Je connais Decentraland depuis 2016. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas de narratif. On ne parlait pas encore des NFT. On ne parlait pas encore du Metaverse et tout. Et c'est récemment qu'on a commencé à parler du Metaverse. Et vous avez vu comment le prix de Decentraland, Meta, Sandbox ont commencé à augmenter drastiquement. Donc, il faut comprendre les narratifs et commencer à investir. Oui, il faut même souvent anticiper ces narratifs-là, ok? Donc, c'est ça, il faut faire des recherches, vous informer, vous éduquer, toujours être en alerte, comprendre ces informations, comprendre l'existence de ces opportunités-là au niveau des narratifs et investir très tôt. Voilà les 10 conseils que je voulais vous donner par rapport aux crypto-monnaies. Faites attention, les gars. Les crypto-monnaies sont encore à la phase expérimentale. Il y a beaucoup d'améliorations au niveau de l'écosystème. Ça se voit déjà. Il y a déjà des use cases, comme je l'ai dit, le DeFi, le NFT, le Metaverse. Il y aura encore beaucoup d'autres choses qui vont se présenter. C'est un peu comme à l'Internet en 1990. Dans les années 90, on ne savait pas ce qu'on va faire avec l'Internet. Vous voyez, tout se passe sur l'Internet aujourd'hui. La blockchain, c'est le même cas. Nous sommes à la phase de fin 90, début 2000. D'ici 4 ans, on sera à la phase 2010-2015. Donc, ça va aller très vite. Tout va se passer sur la blockchain. Et les premiers investisseurs sur la blockchain seront extrêmement riches. Donc, vous, mes frères africains qui dormez là, les Indiens, les Chinois, les Américains, les Canadiens, les Européens, ils sont déjà. OK? Réveillez-vous, ce n'est pas de l'arnaque, ce n'est pas de la crypto-monnaie, c'est de la blockchain. C'est une technologie. Donc, faites vos recherches. Investissez et si vous perdez de l'argent, c'est parce que vous avez fait des mauvaises recherches, vous avez cru à des personnes au lieu de croire à des projets. Ok? Bonne soirée à vous. Abonnez-vous sur la chaîne Salarié Affranchi. Si vous avez des questions, vous avez mon contact. N'hésitez pas à me contacter, je vais vous donner un support, un coup de main. Ciao.